Mon général, mesdames et messieurs les présidents et responsables d'associations d'anciens combattants, résistants et déportés, je salue également les porte-drapeaux. Mesdames et messieurs et chers élèves, entre 1942 et 1944, 11 000 enfants, français pour la plupart, ont été arrêtés par la police de Vichy, puis livrés aux nazis qui les ont déportés dans les camps de la mort, en particulier Auschwitz, où ils furent exterminés uniquement parce qu'ils étaient juifs. Et elle sera ensuite fixée sur la façade du lycée près de la porte d'entrée. Ainsi, ces morts sans sépulture ne tomberont pas dans l'oubli. 48 enfants appartenaient à ce lycée. Nous allons rappeler leur nom, leur âge, tandis qu'un ballon sera lancé pour chacun d'eux. Pour saluer la mémoire de 48 enfants et adolescents assassinés parce qu'ils étaient nés juifs. L'amicale des anciens élèves du lycée Voltaire. Pour la municipalité du 11e arrondissement, Monsieur Georges Sarr, ancien ministre, maire du 11e arrondissement, et Madame Maïté Erika, adjointe au maire du 11e arrondissement. Claude Caïm, 14 ans. Ignace Kaplan, 10 ans. Jacques Raïm Laskowski, 18 ans. Anatole Lilenstein, 17 ans. Serge Mletchak, 13 ans. Allons-nous regarder seulement, sans rien voir? La plainte continue qui monte de la terre. Ira-t-elle se perdre au fond de nos silences? Allons-nous regarder, sans rien voir? La plainte continue qui monte de la terre. Ira-t-elle se perdre au fond de nos silences?